Nous y sommes. Après avoir parcouru le quotidien des Grecs et survolé leur monde méditerranéen, il nous reste deux régions majeures à aborder. L'Attique, autour d'Athènes, et pour aujourd'hui le Péloponnèse et Sparte. Le Péloponnèse, autrefois Appia, d'après Apis, considéré comme le premier homme rien que ça, est majeur pour la Grèce. Strabon dit même de lui que c'est l'acropole de la Grèce entière. Pour les Grecs, quand on parle de Péloponnèse, on parle avant tout de l'île de Pélops, premier fils de Zeus et roi mythique de la région. Cette terre est peuplée depuis des millénaires. Les premiers fermiers du Néolithique s'installent dans la péninsule vers 9000 avant notre ère. Et elle va connaître par la suite plusieurs périodes fastes, notamment avec la civilisation mycénienne, plusieurs siècles avant l'Antiquité classique. Le Péloponnèse est une péninsule bien définie, par ses contours maritimes, et rattachée au reste de la Grèce par l'isthme de Corinthe, large de seulement 6 km. La péninsule est assez vaste, avec ses 21 500 km², elle égale presque l'île de Sicile. Elle est composée de grandes plaines séparées par trois vastes chaînes montagneuses, qui se terminent par trois caps au sud. La circulation est compliquée en son centre à cause du terrain très accidenté et très peu aménagé. Les Grecs y vivent donc surtout concentrés dans les plaines. La péninsule est loin d'être une périphérie pour la Grèce. Malgré son isolement, c'est un grand centre culturel. Trois des quatre grands concours du monde grec, Olympie, Némée et ceux de l'Isthme, y prennent place. La région attire donc régulièrement un grand nombre d'athlètes et d'artistes. Le Péloponnèse y gagne un rayonnement culturel et devient au fil du temps un point de rencontre des voyageurs des nombreuses régions grecques, rivalisant avec le rayonnement d'Athènes. Cependant, contrairement à la plupart des régions grecques que nous avons déjà parcourues, le Péloponnèse ne connaît pas d'unité régionale unanime. De grandes dissensions persistent entre les Péloponnésiens. Nous y reviendrons en fin de vidéo quand nous parlerons des cités implantées dans la région. Et d'ailleurs, pour commencer, il est temps de se pencher sur la plus importante d'entre elles, Sparte. En effet, Sparte est incontournable, à l'époque comme aujourd'hui. Elle a toujours eu une très forte place dans l'imaginaire collectif. Construite sur une image faussée, c'est ce que l'on appelle communément le mirage spartiate. Alors comment une unique cité grecque a-t-elle pu être revendiquée par tant de monde ? Que ça soit basé sur une vision de son élite militaire, de son éducation disciplinaire, de sa vie communautaire et égalitaire. Des acteurs très variés ont tenté de se l'approprier. Des Vénitiens, des philosophes des Lumières, des juristes anglais ou des idéologues nazis et fascistes. Jamais une cité n'a été autant reprise au cours de notre histoire. En fait, le mirage spartiate est élaboré dès l'Antiquité, et ce sont d'abord les Athéniens qui contribuent à sa naissance. Tous les écrivains athéniens, qui n'étaient pas favorables au régime démocratique de leur cité, voient dans le modèle spartiate une alternative plus favorable, qu'ils ont tendance à sublimer parfois à outrance. Et leurs écrits ont bien résonné après eux. Faute de plus de sources, elle est le miroir de tous les fantasmes, depuis l'Antiquité, au détriment malheureusement de la vérité historique. Les historiens travaillent dur depuis de longues années, notamment avec l'archéologie, pour reconstituer la réalité spartiate. Et c'est cette dernière que je vais tenter de vous proposer aujourd'hui. Située dans l'une des plaines au sud du Péloponnèse, la Laconie, la cité de Sparte y solidifie son territoire direct. Elle dispose même en réalité d'un territoire encore plus vaste, la Messénie à l'ouest, et les plaines s'étendant jusqu'à la mer à l'est, lui confère une aire étendue d'environ 8500 km², c'est-à-dire près de 3 fois l'étendue de l'Attique athénienne. Ce territoire est ce que l'on nomme le Lacédémone, comprenant Sparte et tout un ensemble de cités soumises, un peu plus de 30 villes ou villages de tailles diverses. L'agglomération de Sparte se développe sur la rive droite de l'Eurotas. C'est la capitale et le siège des instances politiques des Spartiates. Thucydide présente la ville de manière très saisissante. Supposons que la cité des Lacédémoniens soit dévastée et qu'il subsiste seulement les sanctuaires avec les fondations des édifices.
après un long espace de temps, sa puissance soulèverait, je crois, par rapport à son renom, des doutes sérieux chez les générations futures. Cette description montre bien à quel point la ville ne rayonne pas à travers ses constructions. On suppose même aujourd'hui qu'elle était principalement constituée de quartiers et de monuments très modestes. Les bâtisses de la cité ne sont en rien comparables à ce que l'on peut trouver alors à Athènes. Et les temples sont beaucoup plus simples, parfois décorés de bas-reliefs en bronze au maximum. La ville n'est pas constituée d'un seul regroupement d'habitations, mais de plusieurs bourgades. Son nom veut d'ailleurs dire « parsemé » ou « éparse » en grec ancien. Sparte est l'une des rares cités de Grèce dépourvue de murailles, car d'après le mythique Lycurgue, une ville bien défendue est celle qui est entourée d'un mur d'homme et non d'un mur de briques. Plusieurs classes cohabitent dans cet espace et nous prendrons pour les chiffres ceux de l'année 479 avant notre ère. Au sommet de l'échelle sociale, 30 000 Spartiates. Les hommes sont appelés homoioi ou semblables et représentent 8 000 citoyens, de plein droit, auxquels il faut ajouter les femmes et les enfants. Pour être un citoyen spartiate, 4 conditions doivent être réunies. Être un homme issu d'un citoyen spartiate et de la fille d'un autre citoyen spartiate. Avoir subi l'éducation spartiate jusqu'à son terme, et on va le voir, c'est beaucoup plus long que ce que vous imaginez. Ensuite, il y a également participer au repas collectif. Et enfin, posséder un domaine permettant de payer sa part à ses 10 repas. Il faut également mentionner différentes catégories sur lesquelles nous n'avons pas toujours les éléments d'information que l'on souhaiterait. Il y a les inférieurs, les hypoiémones, spartiates déchus, faute de pouvoir participer au repas commun, donc en réalité les plus pauvres. Il y a aussi les trembleurs, les tressantes, déchus eux aussi pour n'avoir pas tenu leur rang au combat. Nous avons les motakes, les enfants illégitimes, on y reviendra, mais qui néanmoins reçoivent une éducation comparable à celle des jeunes spartiates. Les spartiates côtoient les périèques, les périokoi, les habitants libres des cités voisines de Laconie et de Messénie ou de villages de moindre importance, sur lesquels Sparte impose sa domination. Ce sont donc des lacédémoniens, mais pas des spartiates. On évalue leur nombre à 70 000. La majorité des périèques sont des agriculteurs, et certains d'entre eux se livrent à des activités artisanales et subviennent ainsi aux besoins de la communauté spartiate à laquelle ces activités étaient interdites. Il y a enfin les zilotes, des paysans asservis qui cultivent les lots des spartiates. Il y a, semble-t-il, au moins 7 zilotes pour un citoyen, soit 150 000 à 200 000 individus. On a longtemps écrit que ces zilotes appartenaient à la cité, mais des recherches récentes ont montré que ce n'était pas le cas. Les zilotes appartiennent bien à des propriétaires privés, comme les esclaves des autres cités grecques. Ils sont liés au kléros qu'ils cultivent, et peuvent se marier et avoir des enfants. Si Sparte se distingue des autres cités, c'est par un contrôle plus étroit de cette pratique de l'esclavage, comme par exemple une interdiction de vendre les zilotes hors du territoire lacédémonien. Les néamodès sont un cas à part, ce sont des zilotes affranchis pour services rendus à la cité. Ils n'ont pas la citoyenneté spartiate, ni le statut de périèque, mais sont des hommes libres. On le voit, que ce soit à l'échelle de Lacédémone, ou même du territoire entier de Sparte, les Spartiates sont en grande minorité. Cela entraîne une difficulté continue à garder le contrôle sur les zilotes qui assurent la production agricole. Thucydide souligne la crainte permanente des Spartiates à l'encontre des zilotes. Le faible nombre de citoyens est aussi un problème qui s'accorde mal avec les nombreuses guerres que mène la cité. La perte d'hoplites dans une bataille a de grandes conséquences, car cela fragilise grandement la stabilité politique déjà précaire de la cité. Le recours aux périèques et aux zilotes se fera donc de manière grandissante au fil du temps, expliquant l'apparition du statut de néamodès. Maintenant que vous avez une vision plus claire de qui peuple le Lacédémone et Sparte, nous pouvons évoquer son système politique.
Hérodote, puis Plutarque, écrivent que Sparte devrait son organisation politique au mythique Lycurgue, législateur qui aurait vécu dans un passé lointain, mais dont les historiens doutent maintenant qu'il ait réellement existé. En réalité, ces institutions semblent plutôt être le fruit d'influences diverses, de la Crète notamment, mais aussi des autres cités grecques. Le système politique spartiate règne sur l'ensemble du Lacédémone. Au premier rang, on retrouve deux rois. Ils sont détenteurs de leurs fonctions à titre héréditaire et à vie. La légende raconte qu'ils sont censés descendre de deux frères jumeaux, eux-mêmes issus d'Héraclès. Dans la réalité, les deux rois appartiennent à deux familles, les Agiades et les Eurypontides, qui ne peuvent s'unir par le mariage. Ils remplissent le rôle de chef de guerre, en dirigeant les armées en campagne et, pendant longtemps, avaient le seul pouvoir de déclarer la guerre, avant que ce dernier soit accordé à l'Assemblée. Ils se partagent aussi un pouvoir judiciaire important et une autorité religieuse primordiale. En effet, ce sont les seuls prêtres de Zeus, dieu principal du panthéon grec. Il y a ensuite un conseil, celui de la Gérousia. Il est composé de 28 anciens ayant au moins 60 ans et issus des familles les plus riches de la cité. Élus par l'assemblée à vie, ils sont associés aux deux rois. Ensemble, ils forment le tribunal suprême de la cité et proposent aussi des lois qui seront soumises au vote de l'assemblée. L'assemblée, justement, c'est l'Ecclésia, comme à Athènes. Elle joue un rôle un peu plus important que ce que l'on imagine. Elle décide de la paix et de la guerre depuis 506 avant Jésus-Christ. Elle élit certains magistrats et a même le pouvoir de départager ou d'arbitrer entre deux prétendants à la royauté. Son fonctionnement est différent de celle d'Athènes, où chaque citoyen a le droit de parler. À Sparte, c'est la Gérousie qui fixe l'ordre du jour et présente seule les projets qui sont ensuite soumis au vote. Contrairement à Athènes, où le vote se fait à la stricte majorité, à Sparte, on procède par acclamation. Ceux qui crient le plus fort l'emportent. Cela signifie que la force du groupe et la conviction, et avec elle la capacité à se faire entendre pour la défendre, l'emportent sur la décision individuelle. Puis, à côté, nous avons d'autres institutions. Il y a bien sûr les cinq fameux éphores, des surveillants. Ce sont des citoyens d'au moins 30 ans, élus chaque année, afin d'assurer la gestion des affaires les plus importantes. Ils président l'Assemblée des citoyens. Ils organisent la mobilisation militaire et assurent des fonctions de police et de justice. Et ils vont même recevoir les ambassadeurs des autres nations. Attention, leur mandat est non renouvelable. Ce système impose donc de trouver 5 nouveaux candidats chaque année, entraînant un brassage des citoyens qui accèdent à ce pouvoir et au contre-pouvoir. Car oui, leur fonction principale est de représenter la cité face au roi, dont ils peuvent même parfois contrôler le pouvoir. Je peux aussi mentionner l'existence d'autres magistrats spécialisés mais qui sont plutôt mal connus. Nous avons par exemple le pédonomé, le responsable de l'éducation des jeunes gens. On le voit, plus que la fameuse double monarchie, le système se présente plutôt comme une oligarchie qui prend la forme d'une gérontocratie doublée d'une plutocratie, le pouvoir aux personnes âgées et aisées. On est loin d'une tyrannie ou d'une pure monarchie. Malgré certaines différences, la vie politique spartiate ressemble aux mécanismes d'autres cités grecques. Magistrature tournante, dispersion du pouvoir entre plusieurs individus et groupes rivaux, rapport entre l'élite et la masse des citoyens, même si cette dernière est en effet encore plus verrouillée qu'à Athènes par exemple. Même au sein des citoyens, tous ne sont pas égaux. Seuls les homoioi possèdent les terres et jouissent de droits civiques. Les déclassés, à cause de leur richesse trop faible ou de leur posture au combat passé, n'ont pas voix au chapitre politique. D'ailleurs, le fonctionnement des institutions n'est pas aussi parfait que le prétendent les admirateurs athéniens de la cité lacédémonienne. Il semble en particulier que les rois de Sparte n'acceptent pas toujours la surveillance des éphores et de la Gérousia, et que certains auraient tenté de s'en affranchir. De plus,
Des conflits sont toujours possibles entre les deux rois, ce qui bloque totalement les institutions de la ville, surtout si l'un d'entre eux prétend imposer à l'autre sa politique. Aristote affirme en outre que la corruption règne à Sparte, du fait des efforts et des pouvoirs exorbitants dont il dispose. Et Platon lui-même, pourtant un bel admirateur de Sparte, reconnaît que l'afflux des richesses y a introduit le désordre. Quoi qu'il en soit, c'est ce système politique qui règne sur la population de Sparte et des régions alentour. Les Spartiates sont, à l'image des Grecs, et peut-être encore plus que les autres, très pieux. Le respect des rites, des fêtes religieuses et des signes divins se manifeste dans beaucoup d'anecdotes, où les Spartiates renonceraient au combat devant les augures défavorables, où des manifestations comme des tremblements de terre feraient changer le cours d'une campagne. Un autre trait particulier de la cité est le culte voué aux héros de la guerre de Troie. Anaxagore nous dit qu'Achille y est honoré comme un dieu et que deux sanctuaires lui sont dédiés. La grande particularité de Sparte, c'est surtout d'avoir mis en place, dès l'époque classique, une forme d'éducation publique pour tous les citoyens mâles jusqu'à leurs 30 ans, et dans une moindre mesure pour les filles jusqu'au mariage. L'éducation publique des garçons, sur laquelle les sources anciennes se concentrent, concerne essentiellement les activités physiques. Mais ils reçoivent aussi une éducation à la lecture, à l'écriture, l'expression orale et la musique, organisée et financée par leur famille. Pour les hommes, l'éducation perdure à l'âge adulte. Tous, riches ou pauvres, doivent suivre un mode de vie austère, imposant des restrictions sur la consommation de nourriture et de boissons, ou même sur la tenue vestimentaire. Tous les citoyens de plus de 20 ans dînent tous les soirs dans le même réfectoire, qui rassemble une quinzaine d'entre eux. Le régime de base s'y limite à du pain d'orge, du fromage, des figues et du vin, mais attention, en quantité modérée, afin d'éviter l'ivresse. Cependant, en dépit de leur apparence spécifique, ces pratiques ne seraient pas si éloignées des normes grecques les plus fréquentes. Sparte n'est pas non plus la seule cité à produire des lois limitant les dépenses et l'étalage de richesses. Si les pratiques spartiates sont exceptionnelles, c'est seulement qu'elles sont plus systématiques et plus formellement liées à la citoyenneté et aux droits qui s'y rattachent. Les hommes ne deviennent citoyens de plein droit qu'une fois leur éducation achevée, à 30 ans. Sparte n'est donc pas une cité exceptionnelle, au sens où l'on entend communément. Par bien des aspects, ses habitants y menaient une existence semblable à celle des élites des autres cités grecques. Les femmes, de leur côté, voient leur quotidien un petit peu plus différent des autres Grecs. Elles sont plus régulièrement qu'à Athènes des propriétaires terriens de premier plan. Elles posséderaient même près de 40% des terres. Leur richesse immobilière leur donne une liberté inhabituelle par rapport aux autres cités grecques. Éduquées à la dure, les femmes, une fois nubiles, entraient dans des stratégies matrimoniales pour un contrôle des terres qui ressemble fort au système grec traditionnel, mais d'habitude réservé aux hommes. On peut également parler brièvement de la polyandrie à Sparte, principe selon lequel une femme peut avoir plusieurs partenaires sexuels masculins, dans un but procréatif et eugénique. Deux situations types sont isolées par les auteurs. Un époux spartiate, trop âgé, peut choisir pour sa femme un homme reproducteur, dont il admire l'âme et l'apparence. Un second cas serait un spartiate qui rechigne à la vie de couple, mais dans une société où la production d'enfants est une affaire d'État, doit se reproduire. Il peut alors repérer une femme déjà mariée. Il s'agit alors de convaincre son époux de la lui prêter, simplement le temps, entre guillemets, de faire un enfant. Le statut des enfants nés de ces unions polyandriques, les fameux bâtards ou motakès, est encore flou. Contrairement aux enfants nés des unions monogamiques scellées par un mariage en bonne et due forme, ils ne peuvent prétendre ni à l'héritage paternel, afin de ne pas morceler les patrimoines, ni à la citoyenneté pleine et entière. En revanche, ils sont bien enrôlés comme soldats de Sparte. Concernant le modèle économique, celui de Sparte se fonde sur une idéologie contre-économique particulièrement poussée.
En théorie, il est interdit aux citoyens d'exercer une activité productive, réservée surtout aux périèques. En théorie, toujours, la monnaie est bannie pour les citoyens par une triple série de mesures. La participation au repas commun, en nature, le luxe et les arts frivoles bannis. La plupart des échanges sont donc non monétaires. Ensuite, la monnaie est rendue difficile d'emploi. Les pièces d'or et d'argent sont proscrites. Seul existe une monnaie en fer, la nomisma, de valeur très faible comparée à son poids, qui nécessiterait d'emporter une brouette de pièces pour effectuer un achat important en dehors de la ville. En réalité, la plupart des historiens s'accordent à penser que ces règles étaient surtout là pour la vie intérieure de la cité, mais que les métaux précieux étaient utilisés pour les affaires d'État à l'étranger. Concernant la terre, vous avez peut-être cette image, véhiculée par la Renaissance et par la Révolution, de parcelles partagées de manière égalitaire entre les citoyens. En réalité, il y a à Sparte des propriétés, très inégales en taille, et qui sont ordinairement transmises aux héritiers, mais qui peuvent également revenir à d'autres citoyens, ou femmes de citoyens, par des dons ou des legs testamentaires. Ce système privilégie évidemment les grands propriétaires, qui accumulent toujours plus de parcelles, au détriment des citoyens les plus pauvres, qui ont toujours plus de mal à financer leur appartenance au corps civique, expliquant en partie la diminution du nombre de citoyens de plein droit à travers les années. Si Sparte est connue, c'est aussi enfin évidemment pour son image guerrière. L'orientation militaire qui est donnée aux activités et l'importance de l'exercice physique dans l'éducation ont permis la préséance de la cité dans le domaine militaire et sportif. Par exemple, si on se penche sur les concours à Olympie, entre 720 et 576 avant notre ère, on compte 46 vainqueurs spartiates sur un total de 81. Le culte du corps va même au-delà des performances, car un corps visuellement sculpté et sportif est signe à Sparte d'une richesse intellectuelle, d'un fort potentiel de fécondité et d'une noblesse d'âme. Nous avons déjà parlé assez longuement de l'armée, et notamment de l'armée spartiate dans les vidéos précédentes. Souvenez-vous, cette dernière est principalement supérieure par la capacité de ses hommes à manœuvrer en groupe et à tenir la phalange. Les hoplites spartiates sont le fer de lance de l'armée, mais leur faible nombre les oblige à se faire flanquer par des hoplites périèques et à faire appel aux ilotes pour manier les armes de jet, voire à servir dans la phalange. Les Hippéis composent eux la troupe d'élite de l'armée spartiate. L'importance particulière accordée à la belle mort, c'est-à-dire la mort au combat, avec des blessures par devant, a de véritables conséquences. Le citoyen mort à la guerre a droit à une stèle inscrite à son nom, alors que les autres doivent se contenter de tombes anonymes. Les succès répétés de l'infanterie spartiate contribuent à donner de Sparte une image de cité guerrière jamais vaincue, dont les citoyens, nés pour être des soldats, préfèrent mourir plutôt que de reculer ou de se rendre. Image en très grande partie fausse, renforcée par l'épisode des Thermopyles, mais qui, vous le verrez lors des guerres du Péloponnèse, n'est pas toujours véridique. Bon, voilà pour ce qui est de Sparte, la première cité dans le ring de la guerre. Cependant, elle n'y est pas seule. Moins connue que la Ligue de Délos, empire athénien, la Ligue du Péloponnèse est l'alliance formée par Sparte. Cette dernière s'articule autour du Lacédémone, où Sparte et les cités périèques fournissent une armée expérimentée. Cependant, cela ne suffira pas à mener une véritable guerre de coalition. Après s'être imposé sur Argos à deux reprises, Sparte apparaît comme la grande puissance du Péloponnèse. Elle devient dirigeante de la Ligue du Péloponnèse. Son nom grec est d'ailleurs assez évocateur, les Lacédémoniens et leurs alliés. Cette ligue est la plus ancienne Symmachia, une alliance offensive et défensive connue de la Grèce antique. Elle remonte au moins à 524 avant notre ère, et comporte de nombreuses cités puissantes, à commencer par Corinthe, stratégiquement placée à l'entrée de la péninsule, mais aussi Élis, Tégée et très vite la majorité des cités de la région, à l'exception d'Argos.
C'est même sur les bases de cette alliance que se forgea l'alliance hellénique lors des guerres médiques, union des peuples qui ne résistera pas à la fin de la guerre face aux Perses et qui se scindra en deux alliances, celle d'Athènes et celle de Sparte, revenant aux origines de la Ligue du Péloponnèse. L'alliance a un fonctionnement particulier, qui illustre bien la place prédominante de Sparte. Chaque cité possède une voix égale, indépendamment de sa taille ou de sa puissance géopolitique. À l'exception, évidemment, de Sparte. La cité seule peut convoquer un congrès de la Ligue, et n'a aucune obligation de suivre les entreprises qu'elle désapprouve. Elle sait qu'elle a besoin de l'accord d'une majorité de ses alliés pour mener des opérations communes. Même si elle garde le commandement des opérations militaires et décide elle-même de la taille des contingents que chaque cité doit lui fournir, elle a besoin de ses alliés. La Ligue du Péloponnèse n'est pas une alliance au sens strict du terme, mais plutôt un ensemble de cités plus ou moins liées au destin de Sparte. La Ligue est même loin d'être une grande famille unie. Certains membres sont peu accommodants, voire carrément hostiles. Corinthe, qui était entrée par crainte d'Argos, entrave par exemple régulièrement les actions militaires de Sparte contre Athènes pour défendre ses propres intérêts commerciaux. La différence avec l'alliance d'Athènes, c'est que les cités de la Ligue ne doivent aucun tribut envers le dirigeant, mais simplement assurer une fidélité politique et militaire. En réalité, son rôle est éminemment politique. Chaque cité membre s'assure à travers cette liaison de la protection de ses oligarchies contre les tyrannies et les démocraties qui voudraient naître au sein de la Ligue. Ça y est, nous avons le compétiteur au complet à notre gauche. Mais il nous faut, avant de nous laisser, parler brièvement de deux cités dont le destin est lié plus ou moins fortement à celui de Sparte. Corinthe. Corinthe est une ville stratégique qui va jouer un rôle de premier plan lors des guerres du Péloponnèse. En effet, si on regarde la carte, cette dernière est située au carrefour des voies terrestres et maritimes et elle contrôle l'entrée du Péloponnèse et de l'Empire Spartiate. Mais surtout, elle est à la jonction des aires d'influence de Sparte et d'Athènes. De son contrôle ou de son revirement d'alliance dépend beaucoup lors de l'affrontement entre les deux géants. La cité plonge un bras de chaque côté de l'isthme avec deux ports, et surtout le fameux Dioclos, voie de halage au sec de franchir l'isthme au bateau cargaison. C'est une place commerciale de premier ordre, et c'est bien cette place grandissante dans l'accueil des flux de marchandises qui peut l'amener à devenir un concurrent direct d'Athènes, reine jusqu'alors en la matière. Historiquement, c'est en plus de ça plutôt un allié de Sparte, notamment face à Argos, on l'a dit. Tout laisse donc à croire, évidemment, que Corinthe sera le bras armé de Sparte, celle qui garde la ligne de front. Mais lorsqu'Athènes fonde sa ligue de Délos, peut-être l'envie de se retrouver dans le camp de la cité florissante trouvera des nouveaux partisans dans le corps dirigeant. Allez, on laisse le suspense et on passe à Argos. Argos est situé dans la plaine d'Argeia, à l'est du Péloponnèse, en réalité non loin de la mythique Mycène. Elle est construite sur un système se rapprochant du Lacédémone, avec une cité citoyenne et des périèques périphériques, plus un corps d'esclaves très important. Elle possède une histoire extrêmement riche, et est demeurée pendant longtemps la puissance du Péloponnèse. On lui attribue même la première utilisation des pièces de monnaie et de la balance en Grèce continentale. Cependant, Argos n'a pas résisté sur le long terme à sa rivalité avec Sparte, et elle sort très affaiblie par ses guerres contre son adversaire. Elle va survivre dans l'ombre, laissant croire à Sparte, qui concentre son regard sur Athènes, qu'elle n'est plus une menace, sortant en réalité la tête de l'eau en cachette. La démocratie se met en place dans le deuxième quart du 5e siècle avant notre ère, et lorsque l'ombre de la guerre se lève sur le monde grec, elle aligne une armée de 6000 hoplites et 1000 gardes d'élite. Un acteur à surveiller et à ne pas oublier, je peux vous l'assurer. Ça y est, nous avons une belle image du Péloponnèse, de ses cités et avant tout de Sparte, l'un des deux protagonistes de notre grosse série narrative qui arrive.
Dans quelques semaines, je vais vous proposer un format similaire sur Athènes, l'Attique et la Ligue de Délos. Et nous serons enfin prêts pour la guerre. J'espère que ce petit tour d'horizon de la cité lacédémonienne vous a plu, a dépoussiéré les nombreuses idées reçues que nous avons trop souvent sur elle. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci de me suivre toujours fidèlement dans cette belle série qui touche à sa fin. Et d'ici là, que l'histoire soit avec vous.